Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la petite découverte de Warhammer Age of Sigmar Stormground. Et cette fois-ci, Twitch a parlé, Twitch a voté Nurgle, on va du coup essayer cette faction-là. La dernière fois on a été, concrètement on a fait le tuto mais on s'est pris une branlée sur le troisième niveau et je peux pas le vérifier encore. Mais en tout cas on a l'air d'être parti sur un jeu où il va falloir mourir, recommencer. Comme disent un roguelite parce que on va jamais vraiment tout perdre, on va devenir de plus en plus puissant, peut-être jusqu'à finalement compléter. Allez, du coup cette fois-ci les plus récents de Nurgle. Nurgle is the chaos god of plagues, whose power waxes strong when disease and despair ravage the mortal realms. Though he is a source of fear and revulsion to his enemies. Nurgle is a perversely paternal god, generous with his foul gifts, and proud of his worshippers' every disgusting exploit. Alors, Nurgle est le dieu du chaos, des pestes, dont le pouvoir s'accroît lorsque la maladie et le désespoir ravagent les royaumes mortels. Bien qu'il soit une source de crainte et de répulsion pour ses ennemis, Nurgle est un dieu paradoxalement paternel, généreux en dons immondes et fier de tous les exploits dégoûtants de ses adorateurs. Vous mourrez dans les batailles à venir, et ce n'est pas seulement probable, c'est attendu. Ah, c'est vrai qu'il nous le collait là. Vous avez dit, attention, vous allez mourir. Bref, je crois que le grand-père est... Mais les disciples de Nurgle ne doivent pas craindre la mort, le grand-père est aimant. Et il vous ramènera sur le champ de bataille pour recommencer le cycle. Seule la guerre est éternelle. Encore une fois. Plus récent de Nurgle, campagne Gangrenor Ascension. Vente de guerre de départ limitée, ranimé coûte un miracle par escouade, conquête d'un seul royaume. Allons regarder ce qui va se passer. In the thrice cursed Quagmire of the Bleeding Swamps is the rusting mass of Fort Glopspike. Infested by the disease-ridden acolytes of chaos, these maggot-kin cling desperately against the unrelenting wrath of Sigmar's stormcast eternals. But a new adversary has emerged. Ikorian Cankerscorn was once a maggot-kin warlord. Though his past downfall has seen him disgraced, Ikorian remains cunning and powerful. Ok. Unbottled at last. Oh, but what sweet purpose has led me on this strange path? You are right to ask, my child. You have been given purpose indeed. A great and glorious one. Who addresses me so? Some spirit or demon? Make yourself known to Nurgle's chosen champion! The liberators of the Skyhell Brotherhood are... What distractions you wait? Okay. You have more pressing matters. The Lightning Warrior is come. Nurgle has granted you fell magic to smite these golden fools before you. Prove yourself worthy to have been freed from Nurgle's garden. Ok, corruption. Les putrescents combattent en corrompant le champ de bataille sur une case corrompue. Les unités les putrescents obtiennent des bonus tels que du soin, tandis que les ennemis subissent des pénalités. De plus, les unités des putrescents ne peuvent pas être invoquées près de leur héros, contrairement aux éternels, mais en utilisant à la place les cases corrompues comme point d'invocation. Ok. Bon, déjà, je suis surélevé. Oh là là, tout de suite, tu vois, il veut négocier. Attaque indirecte. Portée 4, temps de repos 0. Après avoir canalisé, inflige 3 points de dégâts sur la case ciblée. Sur des terrains élevés. Ok. Explosion de vomi. Portée 3. Affectée par la classe artillerie. Ne peut
pas être réduit en silence peut être activé quand l'unité est réduite en silence. Ok. Ah oui, je peux les toucher d'ici. Opération d'état des unités, les effets conjurables des cases infligent 3 de dégâts au sort persistant. Mais ça, à mon avis, j'ai pas encore tout. Hein. Règne des asticots inflige 2 points de dégâts corrosifs et moissonne la corruption. On comprend pas encore tout. Mais comment ça avec 1, 2, 3. C'est parce qu'il est surélevé du coup. Non ! Pas fait exprès. Non ! Je voulais pas faire ça ! Like a shadow. Mais bien sûr qu'ils vont bouger ! Est-ce que il faut... Ils sont bêtes quand ils sautent dedans ou pas ? Ok, nous avons des Nurgles. Les Nurglings sont un moyen simple de créer de la corruption. Avant de pouvoir invoquer de la corruption, vous devez planter une graine sur une case d'aptitude. Graine de la corruption. Ok. Ah, il s'inflige des dégâts si je fais ça? Pourquoi il s'inflige... Ah, il s'inflige des dégâts? What instructions we... J'avoue ne pas comprendre. Hein. Par contre, je vais essayer... Je vais voir s'ils sont bêtes. Release us to the hunt. Sigma, moving forward. Ah, vous voyez. Donc il saute pas non plus bêtement dedans. Pesticrateurs putrides sont de solides combattants au corps à corps, des putrescents dotés de puissantes aptitudes de déplacement et de zones d'effet. Invoquez-les. Vous avez appris comment planter et répandre, mais la dernière étape de... dans le cycle de la corruption est la moisson. Le fauchage des pesticrates inflige des dégâts aux ennemis, mais la cible de la... Mais s'il cible la corruption, celle-ci est moissonnée. Lorsque la corruption est moissonnée, elle est consommée et octroie des bonus au lanceur. Différents équipements de combat et compétences peuvent améliorer les bonus obtenus par le lanceur en moissonnant. D'accord. De santé et plante une graine de combinée avec une autre graine de corruption. Croix en corruption. Passer une graine de corruption sur corruption, les consume toutes les deux et invoque des Nurglings à la santé moindre. Donc si je fais ça là-dessus. Type de corruption. La corruption peut prendre plusieurs formes comme la. Le poison, la corrosion, l'incapacité ou la maladie. Le type de corruption est déterminé aléatoirement lorsque la corruption est invoquée pour la première fois. Un ennemi, pensez à vérifier le type de corruption. Là, nous sommes sur de la maladie. Là, il y a une graine. Et là, c'est poison.
Et là, il y a une potentielle graine, mais il n'y a pas de, de nurgling. We'll get hit them from all sides. Ah, mais j'ai plus de nurgle. Reine des asticots et moissonne la corruption. We are prepared. Alors il a que un de mouvement, mais par contre, vous voyez, regardez. Et moissonne la corruption, nuée de mouches. Moissonner la corruption, invoquer une nuée de mouches pendant un tour. Les altérations d'état des unités, les effets conjurables de case. Ok. Portée 4, temps de repos 1, ne peut être réduit en silence. Conjure une altération d'état négatif, la plus récente. Conjure une altération d'état positif, la plus récente. Donc en gros, ça c'est quand il y a un mec qui est atteint. Voilà, lui je peux pas parce qu'il n'y a pas. Mais lui il a un état sur la gueule. Elle est où la nuée de mouche? Là, ils font exprès de sauter dedans. Ah, c'est terrible. Par contre, l'ASMR, je vais le descendre là parce que. Oh! Ça suffit quoi. J'espère que c'est pas trop bas les gars, mais le... c'est un peu relou quand même. Au secours quoi. You have new commands. Pourquoi j'ai pu me déplacer et attaquer en même temps? Ça j'arrive. We're taking the losses. Et du coup, j'ai perdu mes Nurgle complètement. Enfin, mes Nurgling. Planter, je peux pas planter de graines avec ça. Non. I go forth from the plague god, ready to serve the plague father. Suck it up. Let me spread the grandfather's love anew. Ah non, j'ai pas de... We are the... Now is the time for divine judgment. You have new commands. Non, je peux pas la tirer. Que porter 2, c'est le maximum. What is the grand for we go now?
Leave father be praised. I am ready. Je croyais qu'il avait fait genre un échec ou... Non, non, par contre il a pas d'armure. Hein. Il a littéralement pas d'armure. Prosecute them. We have been overcome. We are dispensed divine judgment. Dare strike with me. With all haste. Donc c'est plutôt un caster finalement lui. Let me spread the grandfather's love anew. We are the warrior angels of the Azure. Ah il pouvait pas. Bah si, il pouvait m'atteindre normalement. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Sigma, avenge these cruel blows. Ah ouais, il y a des enchaînements à faire qui peuvent être très cool en vrai avec eux. Be as clear upon. They are daring to attack noble Scott King. Get the tip of the spear. Oh, speak your mind. Et si je vais dedans, normalement, je me heal. Important first step, my dear child. The slaves of the Azir and Shaish shall know your name soon enough. And I would know your name, strange whisperer. For now, you may call me the Fly Father. Okay. Donc les Nurglings, au départ, méandre de Kankerskorn, ou plus à moisir dans mon jus. Oh, vous imaginez une éternité ou plus à moisir dans mon jus. J'imagine. Ah oui, on peut tout de suite, ok. Bande de guerre ennemie, donc du coup on a du Stormcast ici. On a un tireur et des combattants. Compétences, classe tank. Et là c'est... ok. On va prendre ça. Alors... Ah merde! Et du coup, j'ai que des Nurglings. Ah merde! Je peux pas récupérer... Merde! Ce qu'on va faire, parce qu'à mon avis, je vais pas aller très loin si je fais ça. Toute progression sera sauvegardée jusqu'à ce point. En fait, j'hésite à refaire vite fait le fight qu'ils m'ont proposé là, justement pour. Parce que là, je pense que je vais pas aller très loin. Oh, au pire, c'est pas grave, hein, on n'ira pas très loin et on recommencera. Hein. Mais du coup, je l'ai pas et je sais pas quand je le récupère. Classe tank. Ah, s'il m'en donne un. Si je gagne ici, il m'en donne un. Bon. On va faire avec, hein. Niveau butin de guerre. J'ai que des connaissances. Ouais, donc ça, c'était le truc du début, comme tout à l'heure. J'ai que des... Alors, oh là-bas, ça a l'air d'être le bon plan là-bas.
I come bearing gifts of rot. There is the fly-blown monster who overran the southern outworks. Cut him down in Sigmar's name! Yes, come to me, little golden ones. Ikorion has many new gifts he wishes to bestow. Alors. Have you a suggestion for old Ikorion? Le truc, c'est qu'ils sont pas bêtes. Eux, c'est pour planter des graines. Promotion ou destruction. Have you a suggestion for going with all expedient? Vu qu'il y a pas mal de corruption par là, je me dis on va essayer d'en profiter. Liberators advancing. The taint of this place will aid us, but we must help it spread. Sully the pure soil and let us enjoy Nurgle's blessings in full. J'ai l'impression qu'il pourrait aller là-bas en fait. Alors, plante une graine de corruption et invoque des nurglings à la santé moindre. Ok. Donc là, terrain surélevé, mais on s'en fout pour lui. Je peux pas aller là-bas. Est-ce qu'il cherche à faire le tour ou... Un vote des Nurglings. Nurglings planter un type. On va essayer d'invoquer sur invoquer. Donc il faudrait que j'essaye d'en mettre là-bas. En fait, il faut à la fois corrompre, mais en même temps. C'est ça, hein. J'aimerais bien récupérer le coffre. Est-ce que je vais pouvoir? Liberate, forward march. Liberate this territory. Oh, speak your mind, little one. I always listen. Il restaure à la hauteur des dégâts infligés. Thank Father be praised. I am ready. Le truc, c'est que je peux me faire attaquer si je fais ça. Si je vais là-bas, je peux quand même. Ça, c'est vraiment au corps à corps que je peux. Si j'attaque, je prends des dégâts. Pas grand-chose. Si je fais ça, ça me réduit encore mes nurglings. En soi, c'est un chouïa dangereux. Eux, ils peuvent se déplacer de deux. Est-ce que je considère par exemple... Ouais, je sais pas, pour l'instant. J'ai le droit encore à des nurglings. Ah mais je peux en invoquer combien en fait? Vas-y. Ok. Au prix de 2 PV, mais après, au pire. Ça a pas marché là.
C'est louche, cette histoire. Strike like Dol'Naran. Liberators advancing. What instructions await? Et je peux encore en invoquer, hein. Pourquoi quand j'ai mis avec eux sur une graine... Ah si, ça a quand même fait la graine. Et là, normalement, voilà, ça fait une nouvelle graine. Et donc, du coup, par exemple... Alors, sont-ils au départ? Ça, je ne sais pas. Ok. Command us and strike them down. Elle arrête pas de vouloir les repousser, mais au final. Alors. Je pourrais aller là. Ok. Donc il y a quand même des trucs que tu peux faire en te déplaçant. Ils ont quand même déplacé. Ok. Donc ça me coûterait 1. Invoque une nuée de mouches pendant un tour. Essayer d'aller chercher là-bas. C'est complexe le Nurgle, hein. Mais au moins on peut aller chercher le stuff. Voilà. On a le butin. Oh. You will pay for that. On est d'accord, ils ont pas de maladie quand je fais ça. Hein. Ah. See how the plane flies dance for. Et je peux dire, c'est que je... Enfin, après, le lien est un peu... C'est fait exprès, je pense, mais... Ah, qu'elle fait 13 aux fraises, là. Que je suis en mode facile. Et là, du coup, rien qu'avec mes Nurgle, Nurgling. Oh,
Voilà. Alors. Ok. On s'en fout, ça le tue, hein. Donc. Est-ce que je peux m'enlever? Non, je pense pas. J'ai presque envie d'aller là-dedans, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Il va essayer de m'en achever, je pense. Mais c'est soit je vais devoir... Je vais l'obliger à bouger. Ouais, c'est clair que je me perds un peu. Comme tout à l'heure, apparemment oui, j'ai l'air de poser des trucs, mais pas totalement en fait. Pas totalement. Si je fais ça... Ouais. They're overwhelming us. It's unbroken. Ok. Alors si je fais ça, ça va pas être, ça va pas marcher. Mais ok, ok, ok. Et là normalement, moi je peux pas sur sa gueule. Et moi sonne la corruption. J'essaye, hein. Tu veux bien? Yes, my child. The deeper you strike into the depths of this fortress, the more powerful you will become. And the more I will reward you. And why would you do this, my so-called fly father? That this place may be preserved for Nurgle's glory. We shall see, fly. J'aime bien la voix du héros, j'aime moins celui du démon caché. Ok. Donc on a le Pesticrate putré, donc le tank. Et portée de piège, plus 1 portée de lancement de piège. J'ai pas de piège. Accorde un point de miracle à votre bande de guerre, sert à réanimer les unités. Et un marteau souillé qui donne un d'armure en plus. Si des dégâts sont subis. D'accord. De toute façon, on est obligé d'aller dans ce chemin-là. Et on va essayer. Donc là, cette fois, bah lui, il est vraiment mort, hein. Oh, je l'ai revive! J'ai vu le miracle ou je sais pas quoi là. Du coup, je l'ai revive. Oh, l'équipe! Oh là 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 là! Regardez! Je kiffe. L'équipe de fou. Alors, en butin de guerre. On a un marteau. Ok. Le truc, c'est qu'il faut savoir sur qui on veut l'équiper. Lui, il a quoi lui? Il a quand même un d'armure, un de mouvement,
6 de vie. 6 de vie, c'est pas mal quand même. Hein. Lui, il a 0 armure. Hein, donc. Il gagne 1 d'attaque. D'accord. Alors, on peut peut-être continuer à essayer de le faire tanker, lui, avec ses 6 points de vie. Hein. Vous voyez, du coup, c'est un petit détail, mais. Mais je change d'arme dessus. Hop, là j'ai un petit marteau rouillé avec. Merde, voilà que je voulais faire. Alors le marteau on l'a équipé. Et les pièges j'en ai pas. Si des dégâts subis. Ouais, ça serait pas mal ça. Une petite compétence là pour l'un d'eux. Voilà, puisque l'autre tire, donc lui, hop, ok. Placement de piège, je sais pas ce que c'est pour moi les pièges. Enfin, pour moi la souille n'est pas la souillure là n'est pas pas exprès. En fait, je quitte le truc directement. Et ben écoutez, let's go. En vrai, nickel. J'ai 3 nurgling, peut-être pour 2 de je sais pas quoi. Ok. Ok. Bon, on commence par le héros. Il y a un butin. I come to grant the grandfather's love. The Azir had hunters abroad, young Ikorian. Do not underestimate them. Okay. Rather, they should not underestimate me, Fly Father. Ok. Alors, nous avons en face des chasseurs d'avant-garde qu'on ne connaît même pas parce qu'on n'a pas été trop loin avec les Stormcast. Un truc qui m'intrigue par rapport à lui. Voilà. Case inoccupée, si elle est occupée par un ennemi, déclenche explosion de vomi sur lui. Ok. En silence, ouais, ça c'est une portée, ne peut être réduit en silence. Attaque indirecte après avoir canalisé un fiche 3 points, ça on a vu. Ouais. Conjuration supprime, les altérations d'état, des unités, des effets conjurables, des cases et un fiche. D'accord. Purifier, conjure une altération. Purifier, pardon. Conjure une altération d'état négatif, la plus récente. Des alliés. Des ennemis. Affiche 2 points de dégâts et moissonne la corruption. Arme corrosive perforant jusqu'à 2 d'armure. Puis le reste comme dégâts. Ça, je comprends pas pour l'instant. Moissonne la corruption. Nuée de mouches. Moissonne la corruption. Invoque une nuée de mouches pendant un tour à l'entrée sur une case. Et à chaque tour, inflige un point de dégâts ignorant l'armure. Aptitude passive. Subir une charge, inflige un point de dégâts à l'assaillant. Aura de corruption. À chaque tour, chance de générer une corruption sur une case inoccupée dans un rayon de 2 cases. D'accord. Donc c'est autour de lui. Aura de corruption inférieure, 50% de chance d'invoquer une graine de corruption. Graine de Schwanergel plante un type aléatoire de graine. Ok. Obtient des bonus en entrant et en occupant une corruption. Soit une corruption restant 1 de santé activation une fois par tour. Bon bah du coup. Donc ça ne consomme rien si ce n'est qu'il y a un délai de 1 tour. Ok. Et du coup, le Nurgle. D'accord. Et on peut rien faire d'autre. Straight from my quiver. Liberators advancing. Advance, my maggot kin, and lay claim to this realm gate.
Hold the control points, and we hold the realm gate itself. Trap these Azurite fools here with us. De quoi? Ça là? Capturer les points de contrôle. Plutôt notre tank. Je l'avais pas équipé à... Ah si. Mais je peux pas. Lui je peux, mais l'autre je peux pas. Ok. Parce que 4 tours. Ok. Ok, ok. See how the plague flies dance for. Ever alert. Vanguard hunters. Cohort, on me. De quoi? Oh, speak your mind, little one. I always listen. Ok. Donc pour l'instant, je peux rien faire. L'idée par contre c'est que peut-être je peux prendre ça pour après le défoncer. Avec l'autre. We are prepared. Here to spread the perfect pestilence. Ça a l'air extrêmement serré quand même là-dedans là. Il faut au minimum une corruption entière. J'ai plus la magie pour le faire. Par contre, je peux mettre la corruption et aller dessus. Non, je peux pas. C'est bizarre ici d'être aussi serré. Ok, donc ça l'a obligé à bouger. Have you a suggestion for old Ikorian? Il faut que j'évite de le perdre. Je peux décider de les attaquer et ça les tuera quasiment. Après, je peux les obliger à bouger. Suffering losses. We march to free these lands from the plague. Suck it up. The hunt begins. Voilà, ils veulent bouger, hein. Liberators, prepare the hammers of Sigmar. Happy commands from our friend. Oh, how the flies buzz joyously today. Un de portée, deux de portée, langue. Ok. Ça me coûte un. We require support. This is the end.
Portée 2, donc lui aussi là. We go now. Have you a suggestion? The time has come to spread joyous play. Casualties are rising. Bah elle est pas facile à maîtriser hein. En vrai je pense que je fais de la merde, mais je le vois pas tout de suite encore. Je le vois pas encore. Sigma, do not let me forget this. Storm their lines. Il faudrait que j'arrive jusque là-bas, mais... Si je fais ça, je... Ah, non. Il commence à en remettre, voilà. Bah oui. J'ai oublié que je pouvais en invoquer plusieurs, j'en ai pas qu'un. Wouh! Paladin d'avant-garde! What the fuck? Oh, speak your mind, little one. I always listen. Ok. Ouais, il y a la maladie normalement. Il a quoi sur la gueule? Je comprends pas. Il a rien là. We will make this round, Nurgles. We will avenge this. Non mais c'est très stylé hein, mais pour l'instant je vais pas tout comprendre hein. Masters of the now is the time. Ouais, il me détruit des petits Nurgle, c'est pas grave. Casualties are rising. Oh! We ride. Il n'a pas réussi. By the blights and boils, we are ready. Tu veux faire ça sur un allié? Là, normalement, c'est corrompu. Ok. J'arrive où j'ai eu d'autres Nurgle grâce à lui. Oh là là, mais ils sont complexes de fou. Mais attendez. Toucher un tropique si les dégâts sont subis, obtient un, peut être activé, plus un de mouvement, oui, bénédiction de Nurgle, obtient une bonus en errant, en corruption, zone de corruption, bourriture de fer en subissant des dégâts sur une charge, une maison. Je comprends rien, j'ai eu un Nurgle là, non? Alors par contre j'aimerais bien avancer en vrai. Le truc c'est de savoir si ils vont me permettre de quoi? Oh.
crush the uncorrupt! Going there! Ok. Mais l'idée, c'est que j'aille là-dessus, là? Have you commands from our grandfather? On dirait que je corrompe la zone, mais... Ah, j'aimerais bien arriver à prendre le coffre, mais niveau de mobilité, par contre, on est mou, hein. On est quand même bien mou, hein. Je peux tenter avec le petit Nurgle, là. De prendre. Avec le petit Nurgling. Pendant qu'avec eux, bah, je fous la merde, hein. Là, c'est une graine de corruption, donc si je la mets en dessous... Sigma, aide us. See how the plague flies dance for us. J'aimerais bien invoquer une nuée de mouches pour essayer un peu ce truc là, mais... Peut-être que je lui fasse en dessous les pieds une petite graine là. What is the grandfather's instruction? Y'a pas une graine entre lui et moi? We can't hold here. Ready to serve the plague, father. Hack and cleave. We are undone. Unleash the bolts down. Ok. Ah, comme il est venu au contact. Ok. Ok, ok. Comment je vais te déplacer, toi, en vrai? Ready to serve the plague, father. Vous croyez qu'il gagne même un là-dessus, si je le mets là? C'est... Warriors of Sigma. Ok. Liberators advancing. Ok, ok. Faut pas que je les tue tout de suite. Techniquement. We are prepared. Est-ce que... Ouais, je peux l'attirer si je veux. Et je vais tenter un truc, regardez. We go now. You have new commands. Paf. We shall return. Allez. Y a quoi là? C'est une fausse habile. Putain, mais c'est pas que du décor. With speed. Allez, 3 objets récupérés. Alors le truc, c'est que si je le fais maintenant... Être prêt à en subir les conséquences.
I go in the grandfather's name. Sigma, aid us! What is the grandfather's instruction? Sigma, do not let me forget this slight! Oui, il a un passif qui invoque des Nurglings. Quand il tue, il invoque. Ok. Lui, apparemment, quand il bute, il invoque des Nurglings. Trop fort. Mouche à peste. Oh. Déviation, bloque les dégâts de charge. Très fort. Oh, un miracle, mais j'en ai pas besoin normalement. Oh! Classe assaut rare. Difficulté 2. Allez, une dernière. Une dernière avec Nurgle, on comprend pas tout. What? C'est quoi ça? Sortie de Giran, tuez la cible. Qu'y a-t-il au-delà de Giran, le royaume de la vie? Il peut le dire, avancez et prouvez votre valeur. Ouais, mais là, ça m'a l'air chaud, là. Non, en vrai, peut-être que faut que j'y aille doucement. Là, on dirait qu'il y a un gros truc dangereux. Elle est balèze ouais, comme faction. Elle est vraiment balèze. Hein. Parce que là j'ai du violet. Si je fais ça. Déjà j'ai mes mouches. Alors les mouches, c'est 3 d'attaque, 1 d'armure, 4 de vie, 3 de déplacement. Peau chitineuse. Vomi, donc elle tire. Dents pourries. Ok. En butin de guerre, bon bah j'ai tous les personnages là. J'ai un bouclier parasitaire commun. Peut-être pour essayer de. Ah oui, mais non, il a une arme à deux mains lui. Ah non, c'est lui qui peut l'avoir. Eux, ils ont pas de bouclier. Lui non plus. Eux non plus. Et du coup, vu qu'il est en hache à deux mains, il peut pas. Mais attendez. Alors, j'essaye un truc. Voilà. Les deux sont en bouclier. Alors, elle a rien. Comme stat, lui, c'est un d'armure, un de vie. C'est déjà pas mal. Et lui... attendez. Oui, c'est ça. Et lui, du coup, c'est le mec où il a le marteau rouillé maintenant et le bouclier, quoi. C'est une tête, là, non? Ok, ok, ok. Avec les mouches. Et là, je sais pas, c'est censé être quoi. Alors, niveau butin, on a quoi d'autre? Lui, il faudrait l'équiper, lui. Pareil, sur... Voilà. Comme ça, il bouge un peu plus vite. Bloque les dégâts de charge. Ah, je peux pas. Je peux en transformer un probablement en tank.
Et c'est ça, hein. Donc ça, je peux le mettre que sur des... utilisables par tank, c'est ça. Acte divin, compétence, ok. On va essayer avec ça, hein. Allez, on va tenter cette difficulté-là. Avec notre équipe. Je peux vraiment pas l'équiper, lui, de quelque chose ? Ah. Allez, let's go. J'ai un miracle, mais je m'en sers. Ouh. Bon, l'avantage de butin, c'est qu'il est à côté. Merci, Niloche. Merci, du coup, pour ton resub, pour ton 8e mois d'abonnement et un petit coucou. Merci d'être passé. J'espère que tu vas bien. Alors, je connais pas sa range de dégâts. Mais quelque chose me dit que je voudrais quand même éviter... Allez, on récupère le butin. Déjà, on sera content. Merci nos complices pour le prêt. Merci beaucoup et bienvenue. Merci pour le soutien. Ok, les deux me coûtent 5 maintenant. Mais ça, je pourrais le récupérer qu'à la fin. Who requires prosecution with all haste? Ok. Détruire la vague 1 du coup. Alors ma petite mouche, t'as quoi? T'as le vomi. Et je vais protéger. Ok. Ce qu'on va faire. Voilà, parce que normalement maintenant je peux l'invoquer là. Oh, how the flies buzz joyously today. Bon, c'est chiant, c'est que je peux pas reculer, mais. Sigma's heralds. Charge their lines. I did not foresee the force of their resistance. Okay. What instructions await? C'est vrai qu'il... Putain, c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça. What instructions? Mais il peut... We are taking hits. By the blights and boils, we are ready. Ah putain, je kiffe le Nurgle, c'est trop stylé en vrai. Et là, je vais vérifier ça tout de suite avec ce truc là. Lost.
Ah là, il vient de faire une corruption. Ok. Par contre, il va falloir arriver jusqu'au bout. Hein. Ça va être un peu dur d'avancer, mais en vrai... Est-ce que ça enlève la corruption ? Je sais pas. Par contre, ils m'ont fait des dégâts. Et donc du coup, je me mets là. Voilà. No more sitting and festering. Now we march and fester. On peut à la limite faire des petits nurglings. Quête de vie avec un d'armure, attention hein. Du focus. Et pour l'instant ça se passe super bien. Si vous avez rencontré des bugs, n'hésitez pas à me contacter. Il existe aussi un Discord Focus Home Interactive. D'accord. Bah parfait. Je peux m'avancer jusqu'à eux. Mon seul problème c'est que je peux pas leur tirer dessus. Par contre, je vais avancer avec tout le monde. Hein. Je vais me repositionner. Bon, est-ce qu'on part du principe qu'ils peuvent tanker ? Ils ont... Il a quoi ? Il a un malus sur lui, là ? Plus... Hâte. Oh ouais. C'est pour ça. Alors l'idée, ça serait que lui aille là, et donc du coup, lui va aller là. Mais attention, je veux pas le perdre. Et lui, au prochain tour, j'irai tirer avec ça. T'as récupéré assez de vie pour foutre une corruption autre part. Après, tira là, à la limite, eux. Ok. Attention quand même. Voilà, bah l'idée c'est que... Alors... Ouais. On va lui foutre tout de suite un truc de Nurgle sur la gueule. Avec les deux Nurglings. Parce qu'on sait jamais, je pense qu'il y a forcément une vague 2 et donc... De façon à jouer safe... Je sais pas ce qui se passe si Non, je veux pas voler. Ah, je suis obligé de... Ok, mais c'est risqué. Ok, on est en plein dedans. D'accord. Stand ready, Paladors. The Plague Champion approaches. He must not relieve our siege of this fortress. Alors. More Stormcast to banish.
Nurgle, watch over me as I slay. Ah, ça se passe super bien en tout cas. Franchement, j'aime bien le côté stratégie Nurgle. Après, il me restera les retenues à essayer un peu. Il faudra pousser plus loin quoi, la prochaine fois. J'ai envie de forcer le déplacement. Normalement, il va y avoir une invocation. Je peux bloquer une invocation en mettant dessus. Ah, ça, je sais pas du tout. Alors. Bah, peut-être, du coup, Focus, tu sais peut-être nous répondre pour le futur du jeu. En fait, j'ai envie d'aller dessus. Pour voir ce que ça fait, si je peux bloquer. Ah, toi, tu peux pas bouger? Non. Toi non plus. Bah, j'aurais bien voulu bouger là, quoi. Ouais. Je vais essayer ça, voir. Quoi, c'est des renforts que je bloque si je fais ça? Ouais, non, je suis pas chaud à ce que l'abeille prenne des dégâts. Pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'obliger à bouger. Si, si, il bouge quand même. Il bouge quand même. Ok. Ok. Un petit vomi. 24% de chance de parer. Ça passe à travers. Hein. Ok. Ça, c'est le boss, hein, normalement. Hein. Ça, c'est le boss. Hein. Oh, how the flies buzz joyously today. Ok, il y a un renfort encore qui doit venir. Il me reste qui? Il me reste les petits Nurgle là. Qui peuvent aller là, là. Est-ce que ça me fait des Nurgle à un PV ça? Plante un type aléatoire, prix de 2 santé, ouais, moisson, plante une graine, corruption, les consommateurs invoquent des nurglings à la santé moindre. Bah, on va essayer. Hein. Est-ce que c'est quand même des. Non, voilà. C'est 3 HP quand même. C'est exactement le même nombre d'HP que. Ok. The time for divine judgment. My father, give us strength. D'accord.
Alors, à mon tour. Première chose, peut-être bouger lui, mais je pourrais plus caler de vomi après si je fais ça. Alors que le vomi nous aiderait beaucoup. C'est marrant ce truc là, on dirait un peu Twitch. Ok, je peux attaquer, mais ce qui serait intéressant, c'est... Ouais. Lui, il faut qu'il bouge obligatoirement. T'as pris des dégâts? Ouais. Forgive us. We have failed. Oh! And you will always fail until your Celestian soul embraces the truth. All things decay, even the Stormcast Eternals. Il est très très fort, Nurgle. Hein? Et merci du coup à Q-Ro-Rock, merci à toi pour ton follow, bienvenue. Merci aussi du coup à hein, Focus, merci à toi pour ton follow, bienvenue. Même vous avez des feedbacks du coup, ça j'ai vu. Temps de faire quand même, je sens que ça va arriver en forme de DLC. Attendez, je termine la vidéo et je lis après. Attaque éclair et Rouillark. Putre gouille. Il a l'air vénère, lui. Déjà, il vaut 6, donc il est plus puissant que les autres. Esprit vague d'expérience, bénédiction de Vominurgle, reformation de calcification. Putain, c'est complet. Allez, les petits Nurglings, gain de niveau. On pourrait continuer. On va peut-être s'arrêter là, en tout cas pour la vidéo sur YouTube. Nurgle, j'aime beaucoup pour l'instant de ce que ça présente. Hein. C'est vrai que Stormcast, au départ, ça avait l'air assez... Enfin, le truc, c'est que tant qu'on va pas très loin, on va jamais, on va pas encore savoir si c'est très complexe aussi côté Stormcast. C'est que le départ. Mais Nurgle, déjà, dans le gameplay qu'il présente, c'est vrai que j'accroche beaucoup cette idée de corruption de zone. Pour après pouvoir se healer, pouvoir réinvoquer des Nurglings. Attirer les ennemis dedans avec un aléatoire poison maladie et l'autre poison maladie et je sais plus quoi. Il y a trois effets différents. J'aime beaucoup. Du coup YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode. Ciao ciao.